à l'heure où blanchit la campagne. La littérature sans vie, ça n'a pas de sens. Belleville, c'est multiculturel, c'est populaire, c'est vivant et c'est très bon enfant. Et j'avais envie de partager mon amour de la lecture avec tout le monde. Un bouquin est une librairie d'occasion avec des livres d'auteurs étrangers principalement. Et en même temps, j'ai envie de faire participer les artistes. Le Barbouquin, il accueille des gens qui viennent nous faire une surprise. Il y a des gens qui vont débarquer et qui vont faire un extrait de leur pièce et on n'aura prévenu personne. Et déjà, l'immigré d'après minuit est à sa place habituelle. Les hommes parleront en plusieurs langues, les femmes comprendront sans les apprendre. Le temps sera sans dessus dessous. Il faut surprendre les gens, il faut leur faire plaisir. Il faut les étonner, il faut les faire rire, il faut les faire pleurer, mais à un moment où on ne s'attend pas. Parce que si on s'y attend, bon, c'est conventionnel. Il y a Yasmina Kadra aussi. Moi, j'ai un livre qui a changé ma vie. C'est le livre de Carson McCullers, La balade du café triste. C'est deux personnages assez étranges qui créent un café dans une ville morte, qui, grâce à ce café, illumine à nouveau la ville et donne du sens et donne du réconfort. La littérature a sauvé ma vie parce que j'ai vécu dans une ville trop triste. Et à partir du moment où j'ai lu, où j'ai ouvert les livres, c'est ce qui m'a apporté la richesse, c'est ce qui m'a apporté l'éveil. Sans eux, j'aurais été triste.